40p. Enfin, 9 800 600. Ok. Alors, moi c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Ouais. Allez, on va rester sur ces slots là alors. Donc pendant le chargement, je vais juste chercher vite à voir. J'en reviens. Ouais. Tu peux lancer. Hein. Ouais. Une bière. Alors, est-ce que tu m'entends, Anto? Si tu m'entends, tape dans le chat général et dis-moi si c'est mieux là, j'ai baissé ma résolution. Ouais, la réseau. 80p. Ouais, je suis passé, je peux pas faire plus bas que ça, hein. J'ai mis la résolution. Du coup, c'est moche, hein. Ah ouais, c'est très moche, ouais. Moi, je sais pas pourquoi il m'a demandé de passer en 360p. Ouais. Il doit être sur un... Il doit être dans un endroit où il y a une mauvaise connexion, quoi. Mais bon, vu que c'est mon seul spectateur du Twitch, par contre, faudrait que je passe à... Je pensais à la remettre en plus grand. Qu'est-ce qu'on fait pas pour son public? Ouais. Après, je pense même avec les câbles en cuivre, la 360, ça doit passer, hein. Bloodluster. Bon, bref. Voilà, en plus, voilà. Il est même plus, il est même, il me fait baisser la résolution et il est plus sur le Twitch. Alors, briefing, SMPP, compagnie militaire, nous avons dû faire ça, les Américains. Certains d'entre eux ont décidé de prendre du matériel militaire de Américains, les chiens. Il y a du monde de diva. Bon, pour une star, nous. De quoi? Monto, il demande de baisser la résolution à H sur son Twitch, puis il est plus là. C'est dur, on peut tout cracher. Ah putain, je passe en plein écran. Et je me souviens. Voilà. Ok. Moi, je me rappelle à peu près du briefing. Je me souviens plus de ma super. Mon super SMEPT. Il y a de l'intro. Je devais être fâché quand j'ai je suis à l'intro, c'est terrible. Ok. CDR, non régulière, et sans radio. Ah non, t'as mis sans radio. Épinard plus stéroïde. Ok. Donc, petit résumé de mission. Nous avons trois objectifs, à savoir, petit 1, prendre la station essence et éliminer les gens qui y traînent. Petit 2, aller dans le radom et éliminer les gens qui y traînent. Et petit 3, sniper l'acheteur. Ah ouais, bah c'est pour ça qu'il aurait peut-être fallu que je prenne sniper. Non, on fera ça. Je peux le toucher des ans. Par contre, ça me fait rire, dans le patin CDR, je me souviens plus que j'avais mis ça. Rendez-vous, jamais de la vie. Donc. Ok. Ça n'a pas dessiné là sur la carte. Ah voilà. Tchac, tchac, tchac.
Bon, si vous entendez des voix, c'est mon frangin. Ouais, on entend à côté, ouais. C'est le site. C'est ça. Il joue sa vie. Il joue à quoi là? Il joue à Rainbow Six. Hein. Ah ouais. T'as pas encore converti Arma. Non, j'arrive pas. J'arrive. Ok, allez, briefing. On va partir, tout le monde a vu en bas à gauche du départ de mission. On va s'orienter WP1, WP2 pour prendre la pompe à essence. Donc on a un point de vision possible du sommet 167 et peut-être un point de vision possible du 161 si c'est pas trop exposé. On va faire un repérage et donner l'assaut sur la zone de la pompe à essence. Une fois la pompe à essence, le problème de la pompe à essence résolu, on a une énorme kill zone là, sur le chemin entre le radome et le camouflage, donc on va la contourner pour éviter d'être pris complètement à découvert. Il y a un Talweg intéressant, donc on remontera un peu en arrière, on passera par les boisés pour se rendre au Waypoint 3. Et Waypoint 3, Waypoint 4, on essaiera de faire ça pour rejoindre le Talweg, passer par le Talweg. Deuxième point, phase B, donc attaquer le radome et le nettoyer. Donc on donnera un deuxième assaut. Et troisième point, on fera un large détour pour aller autour et sniper l'acheteur, éliminer notre objectif. Puis après, évidemment, on rentre sur exfiltration. Au niveau des noms de signes, alors les rôles, tiens. Donc, Medic Le Jean, premier soin belette, et opérateur Black Hawk. D'accord. Donc, tiens, on va changer un peu. Moi, je répondrai au call sign actuel. Black Hawk, ce sera le call sign unité. Belette second et enfin ou deux et Jean 3. Ok, donc actuel pour moi, unité pour Black Hawk, deux pour Belette, Jean 3. Donc unité Black Hawk, tu prendras je communiquerai avec toi, je te donnerai les ordres de direction et de mouvement et tu les répercuteras à tes hommes s'il y a besoin, si jamais on a un souci, sinon je le ferai moi. Voilà. À part ça, pas beaucoup de précision. Progression, on va rester groupés tous ensemble. Mais en maintenant la progression, des supports, des soutiens, comme il se doit. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune, si ce n'est que moi c'est bien un 2, c'est ça? Ouais. Donc je répète, Ok, Black Hawk c'est c'est bien. unité, toi c'est 2 et le Medic est 3. Et moi c'est actuel. Voilà, pour les communications rapides. Ça, vous vous en foutez, vous savez les rôles. 3, c'est médic, donc si t'as besoin d'aide, t'appelles 3. 1 et 2, c'est assaut. Et actuel, c'est le lead. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Bon. Black Hawk, il est là, je n'ai pas entendu. T'es pris. Allô? Ouais, ok, pardon, je t'avais pas entendu. Bah, c'est parti. User left your channel. Tout le monde est là. Ok, je suis là, ça a l'air de marcher. On a bien Ouais, passé c'est ce bon. 33. Ouais. Radio check pour 1 à unité. Deux unités pour éclair. Radio check pour 2. Deux pour éclair. Radio check pour 3. Deux, trois, four éclair. Désengagez vos sécurités. Ok, je vais lancer la mission.
La team TGV est présente. Il est pour toi la musique, John. Je sais, je me souviens. Ah, c'est vrai que j'ai ouais, j'ai encore coupé la musique, hein. Je suis désolé, mais j'écoute tout le temps. Ah, ça c'est cool. Ah non. Ah non, j'ai un peu de musique quand même. La 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 la. Vraiment belette, t'as des goûts musicaux catastrophiques, hein, faut que je te le dise. T'as acquis ça l'intention si longtemps ça. T'es belette, hein, ouais. Ouais, on reconnaît bien son t-shirt des hippies là. Putain, ils ont volé des chars Abrams quand même. Hein. Ah ouais, t'as vu, non? C'était deux. Je sais plus à quoi. Je sais pas à combien c'est d'unité le char Abrams, mais. Ok, c'est moi le temps de faire quelques réglages sur le GPS, mettez-vous en position. On a bien une seule radio. Ouais. Y a Anto qui est en train de se connecter, je sais pas s'il est déjà là. Ah bah si Il je a l'ai son là. viseur. Ah ouais, c'est le viseur classique. Ouais. Bon, j'aime pas non plus. Je sais pas s'ils s'en... Ouais, je sais pas s'ils s'en servent encore de ce viseur-là en plus. Ils s'en servaient en Irak. Mais Il est pas pratique parce que pour Pour viser viser en avec. dessus, c'est chiant. Tu peux passer au-dessus, hein. Tu peux passer au-dessus, hein. Mais bon, c'est pas pratique quand même. Enfin, c'est pas Ouais, t'as terrible, quoi. pas vraiment le point qui est Ouais. fini ou c'est qu'elle est assise. Ouais, et en plus Bah, c'est c'est un pas très viseur grand. pour les engagements longue durée, hein. On a des grenades. Ouais, grenade, j'essaie toujours d'en mettre un peu. Un IPVS absolument rien. J'avais pas vu la poule qui s'enfuit. T'as C'est cul. le genre qui est nul. C'est le genre dans toute sa finesse. Ouais. Ça rend bien l'eau sur le Red Bull. En tout cas, c'est pas sympathique pour ma compagne. Hein. C'est pas une poule. Ah ça, j'en sais rien. Bah, t'as rien demandé. Alors, est-ce qu'Anto s'est connecté? Il est sur le TeamSpeak. Après, Ouais, il a mais. toujours la base là-bas. Hein. Donc, Il s'est connecté sur le serveur parce que j'étais dans le GPS, j'ai pas vu. Attends, je vais regarder. Est-ce qu'il vient sur le TeamSpeak juste pour écouter ou est-ce qu'il vient avec nous? Que là, il est pas sur le serveur. taper sur nous, c'est dans Zeus. Non, mais il est pas sur le serveur. Ok. Je sais, ça dépend de s'il compte venir, si on l'attend pas. Anto, si tu m'entends, j'ai remis le stream à 360 en fait. Hein. Et envoie-moi un petit message vite fait, même sur le Discord, pour dire si on t'attend ou pas. Allô, allô, Anto, tu nous entends? Effectivement, je sais pas, je l'ai ça vite fait. Après, je vais à repérage, non. Vous avez réglé quel anti-aliasing?
Oh, je sais plus. Aucune idée, j'ai jamais compris ça. Je sais pas pourquoi. Vidéo. Pour qui a vidéo fait ça? Moi j'ai FSA, 4X, Yes. le PPA, j'ai CMAA. C'est où ça? C'est dans les options Ok, de d'accord. Mais l'affichage, c'est le en troisième. APT là. Moi je suis sur je suis en 4X, Je vois ça, mais c'est tous les arbres plus l'herbe, ouais, CMAA et en ultra. oui. C'est surtout CMAA qu'il faut que tu prennes, je crois que c'est le Plus plus ça coûte et rentable. plus ça consomme de ressources. Ouais. Ça va, je suis à Justifié. 86. Pas besoin. Et Bon. fil. Et là. Non. Vachement entier, top top. T'as mis quoi, toi? Il m'en faut 8, mais j'ai choisi le CMA. Si tu parles de ton optique, c'est parce que maintenant on est habitué aux optiques de SMA qui sont CMA, c'est quoi? nettement plus fines que les optiques de RHS. C'est quoi? SMAA Ultra? Ah, si je me suis là, on je vais ramener à ma. Bon, je vais voir. SMA standard, je vois. Signal quand vous êtes prêt après. Hein. Bon, je vais remettre mes paramètres parce que je On sens que je vais sait pile laguer quand je demain. mets standard. C'est bizarre. Un peu étrange. Je vais remettre SMA là. Le laisse en faute. Atok, c'est quoi? Atok, t'as quoi? Tous les arbres? Les herbes. Moi, je mets juste herbe. Ouf, est-ce que je devrais mettre plus herbe? Ah, là, c'est peut-être un peu mieux. Si mon truc est trop con, enfin, je peux aller dire aussi mes couleurs, je vais régler ça. Past out list. Ok, c'est pas bien comme ça. Monsieur H, vous êtes prêt? AFI, rassemblement derrière unité par ordre de numérotation pour une progression en colonne azimut 47, bond de 500 mètres, dès que prêt en route. Deux points actuels prêts. C'est unité qui donne le rythme. Ah, maintenez un espacement de 10 mètres entre PAX. On va se faire ça en marge de combat, double C.
Actuel pour unité parlée. Unité pour actuel répétée. Alto Bosque terminé, parlé. Unité pour actuelle en position. Actuel pour tout le groupe, pensez à contrôler le volume de votre voix au minimum. Actuel pour unité parlée. Actuel pour unité parlée. Visuel sur les contacts azimut 50, environ 202. Ok, notre objectif se trouve dans azimut 61 pour le prochain bond. Est-ce que c'est praticable pour toi, unité parlée? Rapide, tant qu'on reste dans le bosquet. Ok, prépare-toi pour un bond azimut 61, 230 mètres. Dès que prêt, en mouvement, terminé. Reçu en avant. De l'unité pour actuelle, on a une perte de couverture sur 100 mètres. En nos avant. De l'actuel, c'est reçu. Actuel pour groupe, on va se déplacer de 20 mètres azimut 110. Restez couché comme on l'est. Halte sur cette position-là. Mettez-vous en position sur crête pour pouvoir prendre des cibles sur l'objectif terminé. La crête sur nos avant nous bouche la vue sur les tangos.
actuel pour unité, et 2, vous couvrirez en priorité les cibles qui se trouvent dans les azimuts en dessus de 60. 3, tu couvriras avec moi les cibles qui se trouvent en dessous de 60. Préparez-vous à ouvrir le feu à mon commandement. Terminé. On a reçu 2 sur 5, 2. Ok, c'est reçu. Tenez-vous prêt à engager. Ok, à toutes les unités, feu à volonté. Tir précis, économisez vos munitions. Hein. Ok, unité et 2, commencez à progresser en direction de l'objectif. On vous couvre depuis la crête. J'ai pas de visuel sur le véhicule, il arrive de quel côté parler? C'est vu, on attend qu'il débarque. Est-ce que quelqu'un a un AT sur lui? Ok, en attente de rapport sur l'évolution au niveau du véhicule. Ok, ça descend du véhicule, faites feu. Actuel, j'écoute. Ouais, c'est vu, la distance est suffisante pour être ignorée. Ok, unité 2, mettez-vous en mouvement vers l'objectif.
3, tu restes en couverture avec moi à parler. Terminé. Ok, unité 2, halte, on va avancer un petit peu pour vous faire un meilleur appui. T'es prêt, Jean? On part azimut 60. Vas-y, vas-y. Tu m'entends, Jean? Jean, tu m'entends? Allô, allô? Azimut 60. Tu fais halte juste sur la crête là. On va se coucher après la traversée de la route. Halte là, on se couche après la traversée de la route. Ok, vous avez un appui, unité 2, continuez progression vers l'objectif. Ok, tenez position, on vous rejoint. Jean, en mouvement vers la station essence, azimut 60. Vas-y, je suis en appui. Vas-y, vas-y, hein, je suis en appui. Progresse vers le mur. Ouais, entre. Va te mettre là. Ouais. Unité et 2, pénétrer dans le complexe. Mettez-vous contre le mur, ne pénétrez pas dans le bâtiment, ça le parlait. Trois, on va se caler en appui avec un et deux. Et deux, vous pouvez pénétrer par la porte qui est devant vous. Trois en recul pour pénétrer derrière eux. Décroche, prends ta couverture. Tu pénètres. J'ai le marchand visuel. Unité pour actuel, on n'abat pas le marchand. Ah, les ordres sont d'éliminer tout le monde, donc tu peux y aller. J'ai un contact, je confirme, j'ai un contact. Ok, smoker ou flashbanger si vous avez. Les dégâts. Attention,
chercher une armée. Ok, Belette, reprends couverture. Jean, tu vas faire les soins. Non, tu peux aussi tirer. Est-ce que quelqu'un a de quoi restreindre le civil? Je pense que l'oncle Sam ne veut pas laisser tirer. Bon, bah, c'est réglé. Est-ce qu'il l'appelle laisser tirer? Ok, à tout le groupe, on ressort par l'entrée par laquelle on a pénétré par les. Allez, allez, on décroche, on ressort par là où on a pénétré. À la sortie, on va repartir azimut 283, ordre de marche dans ordre, progression en colonne, espacement entre les packs 10 mètres, dès que prêt en route. Progression au pas de marche, au pas de. Enfin, vous m'avez compris, double C quoi. Actuel pour unité, parlez. Unité, j'écoute. Arrêt en haut de la crête quand tu as un couvert. Ah, actuel terminé. On prend le tir. Continuez jusqu'à couvert, continuez jusqu'à couvert, ne vous arrêtez pas. Allez, on riposte. Quelqu'un a un visuel, un azimut?
lance une smoke s'il y a besoin. Ah, c'est reçu, mais la smoke a bloqué, là, bloqué mon centre de ma vision. C'est deux. Deux citrap. Deux, je suis engagé. Donc ça claque de par là-bas, mais je les vois pas. Chargeur. Pas sûr d'avoir traité celui qui est au niveau de la smoke. Économisez vos munitions, hein, coup par coup, doucement. Ouais, c'est azimut 60-55, environ 200 mètres de l'autre côté de la route. On a au moins un Pax blessé qui s'éloigne vers le nord. Je pense qu'il est en fuite. Évaluation des besoins en soins pour tout le monde, s'il vous plaît. Ok, unité 2, repaquez vos magazines et faites un compte de magazine. 3, on reste en couverture terminée. Contact au 50. Allez, vu. C'est derrière les arbres. Sont trop loin pour les tiens. Si c'est à distance et si c'est pas alerté, tu tires pas. Hein. Pas alerté, ils sont en recherche, mais ils sont à 300 mètres. Ok, 1 et 2, faites votre repack. Deux, t'en es où du repack parler? Deux, trois, moi j'ai repacké, c'est bon. Ah, trois, fais-moi un bilan chargeur. Deux, quatre chargeurs, trois quarts. Deux, trois, quatre chargeurs.
Ok, on va progresser en ligne cette fois en direction azimut 32, unité le plus à l'est, et moi je resterai le plus à l'ouest. On va partir de la position actuelle. Départ dans les 32 dès que prêt. Ouais, c'est vu, c'est reçu, pas de soucis, on attend. C'est qu'il est penché, c'est pour ça qu'il avance doucement. La jambe gauche en charpie. Je peux pas faire ça. Pas assez formé. Unité, essaie de marcher maintenant. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, mettez-vous en position pour le départ. On fait face à Azimut 32. Dès que prêt en mouvement, garde contact visuel avec le PAX voisin. Pas de combat, double C. Et on progresse à arme levée. Halte au niveau de la route. Trois, tu couvres à l'est, moi je couvre à l'ouest. Un, deux, vous traversez. Ok, on traverse. On reprend la progression, toujours azimut 32, même ordre de marche. Attention, killbox potentiel, on va se rediriger à azimut 0. Besoin de pause stamina. Négatif, on continue jusqu'au Talweg, on récupérera une fois passé le Talweg. Attention, faites une couverture pour Unity, il est un peu à la traîne. Ok, couvrez vos azimuts, on fait une phase de récupération ici.
suggère. Couper unité pour actuel, justement pour que j'ai récupéré un AP dans le store. Ouais, tu as bien fait. Ok, on va progresser en colonne en restant dans le Talvec, azimut 48, espacement 20 mètres entre les Pax. Unité tu lead, dès que prêt, en mouvement. Unité prêt, en avant. Ok, c'est reçu. Descends bien dans le Talweg, hein. On va rester à l'abri. Deux pour unité, position visuelle sur radar, partie de ce point. Ouais, c'est reçu, on le voit depuis un petit moment. On est sur le bon cheminement. Halt dans une trentaine de mètres par les. Ok, on va continuer dans le Talweg, azimut 93. Bon de 400 mètres. Deux unités et le tango sur mes avant 100 mètres. Azimut 100. Ouais. Deux unités, c'est reçu. Ok, prenez des cibles sur ces tangos-là. Feu à volonté. Ouais, oh, c'est pas possible.
tombeau couché. Ok, on attend que la smoke se dissipe, conserver le guet, garder des couvertures. Et de deux, ça a l'air clair. Ok, on retourne dans le Talweg. Reprise de progression pour Azimut 100 en restant dans le Talweg. Ouais, d'actuel c'est reçu, on monte sur le côté gauche du Talweg, direction nord. Continue progression azimut 100. Unité, veuillez répéter, parler. C'est pris, on progresse jusqu'au prochain sommet et après tu te couches sur la crête. Actuel pour unité sera au-dessus 1 sur 5, tu peux répéter, parler. Actuel c'est reçu, terminé, on continue progression. Ok, halt. J'ai visuel sur un mirador sur la droite du radome azimut 170. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer s'il y a quelqu'un, un visuel sur un tango éventuel dans ce mirador parler?
Actuel, c'est reçu. Préparez-vous à engager la patrouille en 140, ils sont alertés, feu à volonté. Qui rampe dans le complexe. Si t'as un tir précis, t'as autorisation d'engager, pareil. Actuel pour unité. À unité et 2, vous allez vous diriger vers l'entrée dans un axe azimut 150 pour aller vous poster près de l'entrée du radome. On reste en couverture, parlez. Le actuel terminé. Ah, pour l'instant c'est négatif, essayez de vous approcher pour aller vous mettre sur les côtés. Ouais, c'est traité depuis ma position. Trois recalls sur moi de actuel. Deux actuels, c'est reçu. Trois, tu recolles sur moi, parlez. Ok, on va se mettre de l'autre en position de l'autre côté de l'entrée par rapport à là où ils sont, en mouvement. Par où tu veux passer? Ils sont là, à azimut. Chargeur. Du mouvement dans le mirador. En bas. Ok, pour l'instant, on va s'occuper du radome. Je vais prendre ta position, tu couvres la rentrée. Ok, unité 2, vous pouvez pénétrer. Tu as libre cours pour engager et pénétrer au plus vite. Parlez. Bien reçu.
passe pas le pied. Ok, pour l'instant pénétré alors. Deux, je regarde le tank. Trois pénètres. Ok, premier objectif, nettoyer le mirador sud-est. Allez vous mettre en position au pied du mirador 1 et 2. Ok, je suis sur place, les deux. De 1, c'est traité. Frag à l'intérieur avant de pénétrer et parler. Non, c'est traité. De 2, point actuel, c'est traité à l'intérieur du mirador. Ok, prochain objectif, Mirador plein ouest, unité 2 en mouvement vers le Mirador, parlez. Bien reçu. Bien mouvement. Actuel terminé. Ok, objectif rempli, recoller avec nous. On repart en ligne azimut 113, même ordre de progression en colonne, pardon, et 20 mètres entre les pax. Parlez. Attends, réorganisation des chargeurs. Et faites-moi un bilan munitions aussi. Chargeur 11 balles. Deux unités sans chargeur, une balle. De 3, 3 chargeurs pleins et 6 balles. Ok, deux, je t'ai mis deux chargeurs dans mon sac à dos, tu viens les récupérer. Ok, en position pour un départ azimut 114 pour un bond de 300 mètres, progression en colonne, ordre de marche habituel. Ok, ils nous ont repéré, ils vont nous engager, je pense. Azimut 205. Ok, si vous avez un tir, vous avez permission d'engager. Sans vous traiter.
Ok, on reprend la progression à azimut 121. Ouais, c'est entendu, mais j'ai pas de visu. Si vous avez visu, engagez parler. Ok, on va checker unité et deux, vous allez en direction des habitations. Trois, on reste en couverture. J'assure la sûreté arrière, tu assures leur couverture. Ok, on va recoller avec vous, unité de rester sur votre position, 3 en mouvement. Ah, unité, tu restes en appui. 3, tu pratiques les soins sur unité. 1, 2, tu viens avec moi, on va vérifier que ce soit clean. Vous pouvez confirmer à 100% que c'était traité. Ok, donc... 2, tu viens avec moi, unité, et 3, vous restez en couverture. Progresse jusqu'à la ruine là. Ouais, je confirme 2 morts. Ok, ça m'a l'air clair, on va pas pousser jusqu'à la grange, ça sert à rien, c'est pas notre objectif. Allez, on rabat sur les autres. Actuel pour unité 3, on revient sur votre position, n'engagez pas.
Ok, départ azimut 181, ordre de marche habituel, progression en colonne, espacement 20 mètres dès que pris en mouvement. Actuel pour unité, halte dans 50 mètres, parlez. De 50 mètres. Inverse la route. Ok, progression azimut 121, parlez. Plein est. De unifier mon visuel sur le tango au fond du cratère. C'est reçu, regroupement sur unité, parlez. Deux points actuels, et sur trois tangos. Ok, je suppose que l'objectif c'est le tango qui n'est pas en uniforme. C'est cible prioritaire pour unité et 2, 3 et 4, 3 et actuel, on va s'occuper des deux autres tangos. Préparez vos cibles. Ok, c'est reçu. Feu à volonté. Je répète, feu à volonté, parlez. Attention, Douchka, feu à volonté sur la Douchka.
Ah putain. Et voilà. GG. Ouais, GG. GG, mec. Tout le... Excellent, la fin. Tout le monde est là. Oh, c'est une partie de plaisir, là. Excellent. Le mec qui glisse, qui glisse. Ouais, j'ai vu. Il s'allonge. Bien vu. Eh bah, très bien. Eh bah... Petit débrief rapide, alors. Bah, mission rondement menée, finie à 23h pile, pas une seule perte. Écoutez, que dire, parfait. C'est une mission qui est très bien dosée, celle-là, j'aime bien pour ça. On fait notre tour, on est engagé régulièrement, on a des escarmouches. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir. On a eu des super progressions, des bonnes communications. Donc, bilan positif de mon côté. Je vais vous laisser la parole chacun à votre tour, dans l'ordre du TS, hein, le Jean. Yes, bah, moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment bien. Les approches étaient bien. Il y avait une bonne cohésion dans le groupe. De très bonne com, donc on savait où ce qu'on était, on savait qui était où, non, cool, c'était bien, franchement bien. Puis la mission est bien, bien ouais. Bravo, Belette. Ok. Bon. Black Hawk à toi. Très bonne mission, comme à leur habitude, les meilleurs sont là. Et j'ai une grande frustration, je n'ai pas pu tirer ma roquette à la fin dans le véhicule. Ouais, c'est con, t'es en... Ah, c'est magnifique intro. Tu devrais. Ouais, en plus, moi, du coup, ton AT glitché sur la scène de fin, là, j'ai foutu ouais, screen. Tu devrais nous laisser faire l'exfiltration, au moins un petit bout de l'exfiltration pour nous enfuir, pas mettre fin à la mission directe après qu'il ait été abattu, tu vois. Mais c'est juste sur la fin, quoi. Ouais, Black Hawk en unité, c'est parfait, t'as des très bonnes communications. On dit jamais trop juste ce qu'il faut. Ça a beaucoup joué, je pense. Je peux couper parce que je dois pas parler trop fort là. Ouais, non, mais. J'oubliais les terminer ou des trucs comme ça, mais c'est juste parce que. Ouais, moi. Moi aussi, des fois, j'oubliais les terminer. Ouais, j'oubliais les terminer, j'oubliais les parler des fois, mais bon. Ça, c'est encore de. Oups, j'allais poster dans le mauvais truc. Voilà, et ben, last but not least, l'auteur de la mission, Red Bullet, on t'écoute. Je trouve cette mission excellente. Ouais, mis à part le problème de cheville en fait de l'auteur, tu veux dire. Sinon, j'ai bien aimé la progression qu'on a eue ici, les communications avec Black, c'était top. Et non, vraiment bien. Et je tape la progression ici, elle est vraiment nickel. Puis la maîtrise de la mission. Parce que franchement, tous les axes où normalement on pourrait avoir des difficultés, bah, tout maîtriser. Et voilà. La première fois qu'on avait joué là-dessus, t'étais pas là et on avait fait une approche par un autre flanc. Et franchement, on avait bien dérouillé. Quand le renfort était arrivé avec le véhicule, franchement, c'était vraiment chaud. Tu sais, j'étais là, moi, la première fois. Hein. Je sais pas si c'est à moi que tu parles, mais. C'est à Black Hawk, là. La toute première fois, t'étais pas là, en fait. On avait fait juste avec Sage et Anto, je crois. Ah. Parce que celle-là, je l'avais déjà joué, hein. Ouais, tu l'as déjà joué. On l'a joué peut-être le soir même ou quelques suivis, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, les axes de progression, c'était vraiment impeccable. On n'a laissé aucune chance à l'ennemi. En plus, moi, j'avais de la chance que j'avais Black qui prenait toutes les balles pour moi. Merci, Black. Ouais. C'est vrai. On a vu ma sale tête à la fin, j'étais plein de. Et ouais, mais tu vois, le fait qu'on ait maintenu les espacements,
Le fait qu'on ait maintenu les espacements et le fait qu'il n'y ait que le pointeur qui soit blessé, ce qui est normal, après Ah, tout, c'est t'es le juste. plus exposé, c'est. On peut t'envoyer le médic, on peut te soigner, t'es jamais vraiment en danger parce que t'as toujours un support derrière pour te tirer en cas de souci, donc c'est pas mal. Et aussi, bon point, parce qu'on a tendance à vider chargeur sur chargeur, là vous avez retenu vos tirs, fait des tirs précis. Bon, la mission s'y prête beaucoup, mais c'est bien ça. Comme ça, c'est pour ça que je faisais les comptes de chargeurs, on a tous fini. On a au moins mi-chargeur, donc ça c'est cool. Voilà, et dernier truc, je le dis avant de couper le stream, parce que je vais poster le stream dans quelques secondes, mention spéciale à Anto, qui me fait passer mon stream et qui n'est absolument pas passé dessus. Voilà. Bon, ben, sur ce, merci beaucoup d'avoir joué. Bonne nuit et bonne Avec soirée à plaisir. tous. Puis on se dit à la semaine prochaine. Elle sera prête, Urban Assault 2, Belette, la semaine prochaine? Ouais, ça prenne. Parce que là, je voulais pas vous la rusher ou faire un truc qui ne me plaisait pas. Honnêtement, si je passais Ok. trop de temps dessus pour donner un petit caca bien emballé, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire un truc bien. Non, mais t'as raison. Voilà. Bah, c'est bon. Bah, écoutez, c'est pris. Bonne soirée à Bonne nuit. tous et bonne nuit. Et Yes. merci pour la mission à Belette. Et merci à tout le monde d'avoir joué. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne Yo, nuit, salut. bonne nuit à Bonne tous. soirée. Bonne.